Bonjour mes maraudeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va blablater sur tout ce qui est en cours en ce moment. Et bien évidemment, qu'est-ce qui arrive à la fin de la semaine ? Montreuil ! Et comme quasiment toutes les années depuis que je suis sur la blogo, je serai à Montreuil cette année. Je serai présente sûre et certaine toute la journée du samedi. Peut-être le dimanche, je sais pas encore, mais bien évidemment, je vous ferai savoir ça sur les réseaux dès que ce sera validé. Normalement, je n'ai pas prévu de faire de dédicace, donc je vais venir vraiment en mode free du free free, juste histoire de profiter des copinotes que je vois des fois qu'à Montreuil. Surtout que là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde qui faisait le déplacement pour cette édition, donc ça va être super de voir des gens des fois pour la première fois alors que je les suis depuis des années. Je vous mets quand même dans la barre d'infos le lien pour aller sur le site de Montreuil si vous désirez voir qui est en dédicace et pourquoi pas venir faire un petit tour. L'autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'est que tout bientôt va démarrer une série de vidéos avec des idées cadeaux de Noël. Donc bien évidemment, je ne vais vous proposer que des idées livres que vous pouvez mettre dans votre propre wishlist pour qu'on vous l'offre à Noël, que vous pouvez offrir vous-même à Noël. Enfin voilà, j'ai décidé de faire ça parce que c'est souvent moi à l'approche de Noël qu'on me dit mais t'aimerais quoi, machin et tout, et que je galère tout simplement à trouver des idées lecture. Je suis mise devant ma bibliothèque et je me suis dit quel livre j'aimerais vraiment recevoir entre guillemets sous le sapin. Et là je me suis dit bah, je vais vous proposer ceux que moi j'ai peut-être plus des fois eu à voir à Noël ou pas, mais que j'ai adoré et que j'espère que vous lirez un jour. Les vidéos vous apporteront 6 idées cadeaux sur des genres différents, à savoir la jeunesse, le classique, le fantastique, le thriller, la romance et la catégorie dite pépite. Et normalement j'ai prévu 6 vidéos du genre sur le mois de décembre, sans compter mes vidéos normalement régulières que vous avez une fois par semaine. Ce qui fait que je vais être présente avec vous durant 10 vidéos sur le mois de décembre, ça fait beaucoup. Et en même temps j'avais vraiment envie de faire ça cette année, de vous proposer un contenu peut-être un petit peu différent au lieu de top 5 etc. De là juste vous dire si vous avez aimé tel genre de livre ou si vous aimez la romance, ben moi je vous recommande ce genre de livre là. J'espère que vous serez au rendez-vous. Du coup les jours de publication sur le mois de décembre vont être le mardi, le jeudi et le samedi, avec une vidéo comme d'habitude qui bougera pas, qui sera sur les thèmes type book haul, update lecture etc. Et les autres seront consacrés aux idées cadeaux. Et enfin le dernier projet que je voulais aborder dans cette rapide vidéo, c'est l'aventure Wattpad. Si vous me suivez sur notamment Instagram, vous devez savoir que j'ai terminé ma dernière romance New Adult, ça y est, j'ai mis le point final. Il y a beaucoup de choses que je dois revoir bien évidemment, mais le plus gros effet, ça y est, j'ai été au bout et j'en avais pas mal parlé sur les réseaux. Je vais me lancer sur l'aventure Wattpad pour partager ça avec vous, donc je vais vous mettre le lien de mon profil sur Wattpad si vous voulez aller vous abonner, parce que le premier chapitre ne devrait plus trop tarder à arriver. Je sais pas si j'arriverai à faire ça sur décembre, au pire ça sera sur tout début 2018. Et si ça vous intéresse de savoir ce que j'écris, comment, quand, pourquoi, je vous conseille de me suivre surtout sur Instagram et Twitter, c'est là où j'en parle le plus, parce que j'ai lancé tout ce qu'il faut pour ma nouvelle histoire et que je vais pas mal en parler là-bas, donc tout ça est en barre d'infos si ça vous intéresse. Et bien écoutez, je suis en train de réfléchir parce que j'ai l'impression que ça a été hyper rapide et en même temps je vous ai prévenu d'un petit peu tout, que je serai bien à Montreuil, que les séries Noël idées cadeaux va arriver, que j'ai ma première histoire qui va arriver tout bientôt sur Wattpad. Je pense avoir fait le tour d'un petit peu tout, mais vu que je parle très vite, ça allait très vite. N'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes emballé par tout ça, hein, le fait qu'on puisse peut-être se croiser à Montreuil, Wattpad, les idées cadeaux de Noël, là j'ai commencé un petit peu à réfléchir à tout ça, enfin voilà. Moi je suis excitée, je suis emballée et j'espère que j'arriverai à vous transmettre tout ça et que ça vous plaira. Je vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et puis ben, je vous dis à très vite, ciao ciao.